Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG A Week numéro 37. La question d'aujourd'hui provient de mon bro, mon frérot. C'était quand même une question, tu sais, surtout que c'est lui, il m'a appris les jeux de rôle, mais je pense qu'il en joue plus. Il a recommencé à jouer à Magic, en vrai, là, avec des vraies cartes, là, tangibles et tout et tout. Mais en tout cas, j'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai arrêté de jouer à Magic. J'avais des Unglued à l'époque, là. C'était des cartes c'était pas vraiment légal, c'était plus une joke, là, mais c'est pas grave. Là, il y a le. La question d'aujourd'hui, c'est ça. Ça s'adresse au maître de jeu. En cours de route, je vais peut-être avoir une question pour les joueurs, disons, du moment. Mais la majorité des personnes que je connais qui sont joueurs, ils sont maîtres de jeu d'une façon ou d'une autre. Alors, ça va bien là-dessus. La question va comme suit. Comment préparez-vous votre partie de jeu de rôle? Oui, c'est une question simple. Tu sais, il y a une méthode, il y a du monde qui vont littéralement go, moi j'improvise. Moi, personnellement, par le passé, ça m'a un peu bloqué de trop préparer. Fait que je suis revenu à ma base, c'est-à-dire me faire un tableau. Les noms des joueurs, la quête principale, puis chacun des joueurs, il y a un événement qui est relié à eux. C'est aussi simple que ça. Disons, je vais aussi, ce qui peut faire très très bien, c'est que je communique avec le joueur. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, qui sait mieux que ce qu'il veut qu'il arrive en partie que le joueur en question? C'est vrai, tu creuses les ciboulots, puis finalement, c'est le joueur qui. On sait le joueur qui a la réponse. Je trouve ça très bien aussi. C'est aussi simple que ça. Mais pour les grandes parties à long terme, c'est. Je t'avouerai, je sais même pas combien de sessions je me suis rendu quand je jouais dans mon monde. C'était un peu intense. Il arrivait toujours quelque chose. Les personnages évoluaient. Ils acquéraient de l'expérience, des objets, des trucs. Tu sais, c'est comme. J'ai toujours trouvé de leur but, tu sais, je veux dire, leur but ultime. Parce qu'à un moment donné, le joueur. Ben, pas le joueur, le personnage, il arrive à la fin. La fin de ce qu'il veut être. Quand le joueur te regarde, il dit, ah, ben, je sais plus quoi il fait à faire, ça peut arriver aussi. Tu sais, je veux dire, si ton but, c'était d'être le maire de, le maire d'une ville ou le président d'un pays, ben, un coup que tu l'as réussi, ben, pourquoi tu veux faire d'autre? Je veux dire, ou tu prends ton personnage, tu le mets sur une tablette, tu en prends un autre. Un de mes amis, il changeait de personnage comme il changeait de souliers. À chaque fois qu'il y avait des bonnes idées pour un personnage, il a dit, ah, OK, ben, je le veux plus lui, je veux jouer un autre personnage, j'ai une meilleure idée. OK, ben, je le prenais, puis là, le personnage m'appartenait, je le mettais PNJ, je le boostais à mort, je mettais des trucs, mais c'était dans la logique des choses. Le personnage avait du leadership, il voulait contrôler la ville, contrôler des guilds, puis tout, ben, c'est ça. Il était rendu le maître de la guilde. Fait que c'était pas mal ça. Mais c'est ça, c'est, je veux savoir comment vous préparez vos campagnes. Puis si vous avez des questions à me poser, des commentaires, si j'ai dit le mot campagne comme ça se dit, ou peut-être ça se dit campagne. Puis si vous êtes rendu à la fin du vidéo, ben le mot de passe, c'est chien saucisse. Alors, c'est juste pour vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.